Shema Israël, Adonai Eloneinu, Adonai Echad. 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 C'est écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Amen. Et donc, puisque tu nous invites à faire nôtre cette prière de nos frères dans la foi, de nos grands frères, nos grandes sœurs dans la foi, que sont les Juifs et le peuple hébreu, et bien on va écouter justement la parole de Dieu qui se révèle dans l'Évangile selon Matthieu au 5e chapitre. Jésus voit les foules qui sont venues, et il monte sur la montagne, il s'assoit, et ses disciples viennent auprès de lui. Et Jésus prend la parole. Et Jésus les enseigne. Et voici ce qu'il dit. Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Amen. Et sur ces paroles de l'Évangile selon Matthieu, je regarde vers les catéchètes, je regarde vers Colombe, vers Isabelle. Est-ce que vous prenez les enfants ? Oui ? Donc si les enfants, vous avez envie de rejoindre, ce n'est plus la formation en tant que telle comme à 10h, mais si vous avez envie, sentez-vous libre. Et donc, comme je le disais au tout début de cette célébration, aujourd'hui, on arrive à la 5e béatitude. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ça, c'était ce qui était dans la parole de vie qui était affichée sous vos yeux. Je vous donne juste quelques autres traductions. Heureux sont ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Ça, c'est dans la traduction Nouvelle Français Courant. Dans la Nouvelle Bible Second, c'est « Heureux sont ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. » Et puis dans la traduction œcuménique de la Bible, ou dans l'Ancienne Second, « Heureux les miséricordieux, car ils
leur sera fait miséricorde. Donc on est dans le registre de la compassion, de la miséricorde, de la bonté pour les autres. Et du coup, j'ai cherché ce petit mot de miséricorde et les occurrences dans le Nouveau Testament. Pour information, voilà, juste, je ne sais pas si vous le retiendrez ou pas, ce mot miséricorde, c'est eleo, eleo, c'est facile à retenir. Et en fait, il signifie de la miséricorde, de la bonté, mais il signifie aussi autre chose, de la pitié. Il signifie de la pitié. Et du coup, dans les différentes occurrences que j'ai trouvées de ce verbe eleo, avoir pitié, faire miséricorde, être plein de compassion pour les autres, eh ben, j'ai trouvé quelques versets, évidemment, de la Bible. Et je vais en particulier vous lire des passages chez Paul. Lettre qu'il écrit à son fils spirituel Timothée. J'avais insulté, j'avais fait souffrir, j'avais été violent, mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ, dit Paul. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. J'ai reçu la foi et aussi l'amour qui vient du Christ Jésus. Paul, il regarde en écrivant à Timothée, il regarde quelle était sa vie avant de recevoir Christ. Et il n'est pas en train de s'excuser. Vous savez, des fois, on fait une bêtise et on s'auto-justifie. Ah oui, mais en fait, j'avais de bonnes raisons d'agir comme ci, d'agir comme ça. En fait, le monde autour de moi, et puis ce qui m'était demandé par mon environnement, vous comprenez, monsieur le juge, finalement, j'y suis pas pour grand-chose. Pas forcément qu'on s'adresse à un juge, mais en tout cas qu'on s'adresse à la personne en face de nous à qui on se met à rendre des comptes. Quand on est enfant, ça peut être nos parents, nos enseignants. Quand on est au travail, ça peut être notre N+1, notre supérieur. Quand on est en couple, ça peut être son conjoint, sa conjointe, etc., etc. Mais Paul, il n'est pas en train d'essayer de s'auto-justifier, de se donner une bonne raison. Il dit, voilà ce que j'étais. J'étais quelqu'un qui ne croyait pas au Christ Jésus. Et quelles étaient les conséquences? Eh bien, c'est que j'insultais. Quelles étaient les conséquences? C'est que je faisais souffrir. Quelles étaient les conséquences? C'est que j'étais violent. Violent à l'égard de ceux qui avaient décidé de suivre le Christ. Mais finalement, violent à l'égard du monde entier, j'étais prêt à tirer à tout va et à être celui qui allait être dans la seule vérité, la vérité du respect de la loi de Moïse, celle qui est dans Deutéronome chapitre combien ? 10. Non, pas 10. 5. On va le retenir. Donc, où Exode chapitre combien, vous sonnez ? 20. Exode 20 ou Deutéronome 5. Mais écoute, 10, ça veut dire que tu veux le double de loi. Et Paul était vraiment zélé pour cette loi-là. Il voulait la respecter. Sauf que il était violent à cause de cette loi. Or, la loi de Dieu, c'est pas une loi de violence, fondamentalement. C'est une loi de réconciliation, de restauration d'un peuple avec son créateur. Vous allez me dire, ah, mais pourtant, et Noël, par exemple, qui lit le tour de la Bible, en ce moment, on est sur le livre des Nombres, et on a entendu déjà un certain nombre de préceptes de la loi de Dieu, et on dit, wow, Dieu, waouh, là, t'y vas fort quand même, hein. Et puis, quand tu nous as reproduit, Noël, ce dessin avec les fils d'Aaron qui brûlent, qui perdent la vie, parce qu'ils ont touché le tabernacle du Seigneur. On se dit, waouh, ce Dieu-là, waouh, où est-ce qu'il va? Mais fondamentalement, toute
la loi de Dieu, elle n'est pas là pour ôter la vie. Elle n'est pas là pour rejeter les gens. Elle est là pour restaurer un peuple avec un Dieu qui est saint, qui profondément, dans son être même, est saint et ne peut pas supporter, ne peut pas toucher ce qui est impur. Ne peut pas se lier avec ce qui est faux, mensonger, ce qui désire la mort des autres. Profondément. Si Dieu a posé des lois, des commandements qui aujourd'hui, en 2023, nous disent « Oh là 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 là, il y va fort », c'était juste parce que Dieu est saint et qu'il ne pouvait supporter que son peuple soit taché, entaché par le péché. Dieu aime son peuple. Dieu aime sa création. Dieu veut restaurer le lien entre chacune de ses créatures, nous les humains, mais aussi, moi je pense fondamentalement, toutes les créatures animées. Dieu est amour. Je pense que c'est écrit ici, pour qu'on le garde bien devant les yeux. Un peu comme les téphilim des Hébreux. Ils essayent de garder des versets, des passages, des schémas Israël. On doit se souvenir sans cesse en l'ayant devant les yeux. Peut-être que c'est chez vous, d'ailleurs, il y a peut-être des aides comme ça. Il y a peut-être des versets qui sont affichés ici ou là, des petites images qui vous réaffichent sans cesse l'amour de notre Père pour votre foyer, pour votre maison, pour votre famille. Même les moments où on est pris vraiment de la tentation de colère, le ras-le-bol. J'en ai marre que mon fils, il agisse comme ci ou comme ça. Je ne veux pas faire écho, mais vous avez entendu tout à l'heure un sujet d'action de grâce à ce sujet-là. Paul, il regarde combien il était zélé pour cette loi. Et il regarde combien il a fait du mal, finalement, à la création de Dieu, aux créatures merveilleuses. Au nom de cette loi, combien il a insulté, il a fait souffrir, il a été violent. Et Paul, au moment où il écrit dans cette première lettre à Timothée, au tout premier chapitre de cette lettre-là, il dit voilà, si j'ai insulté, si j'ai fait souffrir, c'est parce que je ne connaissais pas fondamentalement Jésus-Christ. Mais Dieu, et vous l'avez entendu quand je l'ai lu, Dieu a eu pitié de moi. Il le dit à deux reprises. Dieu a été plein de compassion pour moi, plein de bonté. Frères, sœurs, Dieu, il est compassionnel envers toi. Et malgré tout ce que tu peux faire, tout ce qui nuit à ta famille, à tes amis, à tout autour de toi, tout ce que tu as conscience et encore plus tout ce que tu n'as même pas conscience, Dieu est compassionnel et il veut te guérir, il veut te rétablir toi-même, mais aussi dans ton interaction avec les autres et avec lui. Et Dieu, il a eu pitié de Paul, et pour nous c'est un encouragement pour aujourd'hui en 2023. Si lui qui a été un persécuteur de l'Église et tous les dimanches, tous les jeudis, on prie régulièrement pour les frères et les sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi en Christ, notamment avec l'aide de Porte Ouverte, du travail fabuleux de l'organisation Porte Ouverte. Et bien, je veux dire, Paul, il faisait partie de ces gens qui persécutaient, qui étaient enragés. Mais si Dieu a eu pitié de Paul, alors à combien plus forte raison? Lui qui était le moindre des avortons, Dieu aura pitié de vous. À tel point que
Paul va écrire aux chrétiens de Corinthe. Frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, vous l'avez reçue et aujourd'hui encore vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve si vous la gardez comme je veux vous l'ai annoncée, si votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau et le troisième jour Dieu l'a réveillé de la mort comme les livres saints l'avaient annoncé. Avec les adolescents tout à l'heure à 10h, on a beaucoup parlé de la résurrection de Jésus, du moment où Jésus apparaît notamment aux disciples d'Emmaüs. Là, Paul nous dit, il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs en même temps. Et presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, à tous les apôtres. Et finalement, après tous les autres, il s'est montré à moi aussi, moi qui le méritais le moins, vous comprenez, parce qu'il était persécuteur, Paul. Parce que c'était un injuste. C'était un brigand. C'était un tueur. Moi qui le méritais le moins. Je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. En effet, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. En tout cas, que cela vienne de moi ou des autres apôtres, voilà la bonne nouvelle que nous annonçons. Et voilà ce que vous avez cru. C'est quoi cette bonne nouvelle ? Eh bien, c'est que Dieu veut te faire miséricorde. Que Dieu veut restaurer une relation avec toi. Peut-être que tu l'as ignoré toute ta vie. Peut-être que tu te dis, bon, maintenant j'arrive à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 70 ans, à quoi bon ? Je suis condamné. Dieu a pitié de toi. Il veut te récupérer et dire oui, tu es mon enfant bien-aimé. Et en toi, j'ai pris plaisir. En toi, je mets toute ma confiance. Je mets mon espérance. Et vous l'avez entendu aussi tout à l'heure dans le texte qu'on a lu. Dieu, il est triste. Il pleure avec tous ceux qui sont loin de lui. Il est pris dans ses entrailles, dans ses tripes. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Parce que c'était insupportable d'être si loin de chacune et de chacun d'entre vous, d'être si loin de tous ceux qui nous environnent. Ça lui est insupportable à Dieu. Je continue avec mes questions d'occurrence de Elé Eo, miséricorde. C'est un verbe, donc c'est faire preuve de miséricorde, être miséricordieux. Paul va dire dans la deuxième aux Corinthiens, une fois qu'il est restauré, il va dire, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa grâce, nous a confié ce service, le service d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Est-ce que cette grâce, est-ce que cette bonté, cette miséricorde, elle est juste pour Paul ? Eh bien non. Vous êtes tous appelés à être, comme Paul, des envoyés de Dieu, des apôtres, prêts à annoncer au monde entier combien Dieu les aime. Paul, il n'est pas là à se vanter pour lui-même. Moi, je suis apôtre, je suis le big boss, regardez-moi, payez-moi mon voyage, payez-moi... mes vêtements, nourrissez-moi. Il n'est pas du tout en train de faire ça, Paul. Au contraire, il a continué à travailler. Moi, j'ai beaucoup à apprendre, hein, moi qui suis pasteur, que vous me payez justement pour être pasteur, eh ben, j'ai beaucoup à apprendre de Paul, qui a continué à construire, à tisser des tentes.
J'ai beaucoup à apprendre de tous mes collègues pasteurs qui, en plus d'être pasteurs, ils ont un job à côté qui les fait, qui leur donne leur nourriture, leur subsistance. Vous n'avez pas une famille à faire. Il n'y a pas d'excuse, Noël. Vous êtes tous appelés selon la compassion de Dieu. Non pas uniquement à une vie restaurée avec lui, mais une vie de lumière et de restauration de vos environnements. Vendredi, je vous partage juste ça, parce qu'avec avec Dana, on est allé à Petit Quevilly. On a été accompagné avec quelques autres personnes, la famille de Noé, au crématorium. Et on était là avec Léo, notamment, et puis avec tout le reste de la famille. Et moi, je l'avais dit aussi en pastorat, je l'avais dit à plein de personnes, priez pour ce vendredi-là, parce que ça ne va pas être facile. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer d'annoncer l'amour de Dieu? Et est-ce qu'il fallait qu'on lise un texte? Est-ce qu'il fallait... Et en fait, Dieu, il a ouvert une porte. Il se trouve qu'on avait notre frère Timmy qui était là, avec nous. Et Timmy, il a pris sa guitare. Il se trouve que Noé... il jouait de la musique aussi, comme Léo, il était batteur. Et du coup, Timmy, il a pris la guitare et il n'a pas chanté en français. Il n'a pas été trop intrusif dans l'annonce de la parole, mais il a chanté en anglais, puisque évidemment, Timmy, vivant à Londres, il est bilingue complètement. Et plus, je pense qu'il parle malgache, à mon avis. Et puis, il a joué, il a chanté. Et il a dit aussi, s'il y a des gens qui, à l'issue de ce temps de crémation, ont besoin de prier, je suis là. Et en fait, c'était beau parce qu'à la fin de ce temps-là, alors que les gens partaient après avoir dit au revoir, on a pu écrire un mot sur le cercueil si on voulait, etc., poser une rose. Et alors que les gens partaient, il y a eu quelques personnes qui ont pu s'approcher de Timmy et de moi, et avec qui on a pu prier. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'était pour la miséricorde. On n'était peut-être pas préparés, mais Dieu nous avait fait miséricorde pour ce service à ce moment-là, pour cette disponibilité à ce moment-là. Merci Marie-Christine d'avoir suivi. Ouf. Tu me permets de me rattacher au fil de cette prédication ou de ce message. Trop souvent, moi, je me dis, c'est quoi être pasteur? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Trop souvent, on peut se dire, c'est quoi être chrétien? Comment est-ce que je peux faire pour annoncer au collège, dans un établissement public, pour annoncer la grandeur de Dieu et son amour? Il y a des parkings. Si on ne peut pas le faire dans la salle des profs. Dieu vous a fait miséricorde. Et dans sa grande miséricorde, il ne vous a pas juste restauré dans sa relation avec lui pour que vous ayez une vie qui soit apaisée avec vous-même. Il vous a aussi, dans sa miséricorde, missionné pour être vous aussi des êtres miséricordieux. Ce eléeo de Dieu pour vous, il est aussi ensuite en répercussion, un eléeo de vous pour les autres autour de vous. Et là, on en arrive enfin. Vous vous dites, mais franchement, les béatitudes, on ne les a pas entendues là. On les a lues une fois. Là, on en arrive enfin à heureux sont ceux qui sont miséricordieux. Parce que finalement, ce heureux sont ceux qui sont miséricordieux, c'est d'abord et avant toute chose, heureux sont ceux qui ont compris qu'ils étaient sous la miséricorde de Dieu.
On ne peut pas être miséricordieux, on ne peut pas faire des collectes alimentaires et faire plein de choses sociales et humanitaires dans ce monde si avant on ne s'est pas reconnu soi-même sous la miséricorde de Dieu. Si on n'a pas reconnu qu'on était restauré par Dieu, que Dieu est plein de bonté pour nous et que c'est parce que Dieu est plein de bonté pour nous alors qu'on a envie, comme du sel, on a envie de donner du sel et de la lumière pour ce monde. C'est parce que Dieu nous aime qu'alors on peut aimer. Frères et sœurs, reconnaissez votre état d'avant pour reconnaître à quel point Dieu vous a fait grâce, miséricorde, que Dieu est ailé et haut pour vous. Et alors, vous verrez, ce n'est pas vos mots, ce n'est pas vos actions, ce n'est pas vos gestes, ce n'est pas même vos prières qui feront des miracles, mais c'est Dieu qui agit en vous, par vous, à travers vous, pour sa gloire et pour le salut du monde. Amen.